Bienvenue en France, on te met pas dans le même sac. Que pour te dire monsieur, faut avoir fait des études à la fac. Tu viens en cité, bah tu es une source de problème. Pour ma part, j'ai pas choisi de vivre dans un HLM. On nous regarde de haut, ou alors on nous craint. On aimerait s'en sortir, mais on nous en donne pas les moyens. Tous les jours charbonner pour pouvoir manger. Désespérément trouver un taf pour arriver à payer ton loyer. Cash money souvent utilisé dans notre discours. Et beaucoup pour en avoir utilisent un dangereux parcours. Certains sont prêts à tout pour nourrir leurs gamins. Pourtant ce juge n'hésite pas à les enfermer comme des chiens. Ils ont pourtant pas demandé de vivre cette vie. Croire en un président qu'on a rien à foutre de ce pays. Nous mettre des barrières pour pas qu'on remonte la pente. Qui s'étonne pas si le taux de suicide augmente. Maria nous a mis de côté, pourtant nous sommes ses enfants. Elle nous laisse nous détruire, ou elle laisse couler le sang. La vie est un combat, et tu es pas sûr de te relever. Quand tu vois que nos lois ne sont appliquées qu'à moitié. Maria nous a mis de côté, pourtant nous sommes ses enfants. Elle nous laisse nous détruire, ou elle laisse couler le sang. La vie est un combat, et tu es pas sûr de te relever. Quand tu vois que nos lois ne sont appliquées qu'à moitié. On nous fait des promesses qui ne sont jamais tenues. Chaque année des familles entières sont mises à la rue. Quand tu grandis dans ce vécu, tu ne peux qu'avoir la rage. Tu finis par avoir un cœur où il est dur de forcer le blindage. Que ça soit des mecs de banlieue ou alors d'ailleurs. Plus de la moitié du pays est touché par ce malheur. Glandeur, bagarre, voilà notre réputation. Quand la police nous arrête, on a direct droit à la répression. À croire que nous sommes des poisons et qu'il faut trouver le sérum. Ils abusent de leur autorité mais ce ne sont que des hommes. Quand tu grandis en cité, tu es pour eux de la vermine. Chaque jour je viens en espérant que ce calvaire se termine. Et je suis pas le seul hélas, regarde bien ce monde. J'aimerais que ma tristesse soit un jour diffusée sur les ondes. Une pensée aux délaissés que le système cherche à faire taire. Ceux qui gardent le sourire malgré qu'ils sont dans la misère. Maria nous a mis de côté, pourtant nous sommes ses enfants. Elle nous laisse nous détruire, ou elle laisse couler le sang. La vie est un combat, et tu es pas sûr de te relever. Quand tu vois que nos lois ne sont appliquées qu'à moitié. Maria nous a mis de côté, pourtant nous sommes ses enfants. Elle nous laisse nous détruire, ou elle laisse couler le sang. La vie est un combat, et tu es pas sûr de te relever. Quand tu vois que nos lois ne sont appliquées qu'à moitié. Oppressé, détesté, insulté par ses autorités. La GAV pour beaucoup n'est pas une promenade de santé. Pourquoi crois-tu que les caméras ne peuvent rarement y rentrer? C'est pour pas montrer la sentence qui y est infligée. Toi qui es sagement posé à discuter avec tes potes. Pour nos présentations des papiers, tu vas te retrouver au poste. Juste parce que tu portes du Lacoste, tu es direct catalogué. Alors qu'un violeur d'enfant en prison est souvent protégé. Alors que ces chiens mériteraient direct la potence. Mais comme ils ont un gros chèque, la juge accordera sa clémence. Alors qu'on vienne pas me dire qu'il y a une justice sur cette terre. Ça fait bien longtemps qu'on voit qu'ils veulent nous la mettre à l'envers. Quand tu vois qu'un SDF est condamné à rester dans la rue, juste parce qu'il a pas de situation, on le traite comme un résidu. La France d'en bas n'en peut plus, et va un jour se révolter. Marque l'État face la sourde oreille pour pas nous écouter. Maria nous a mis de côté, pourtant nous sommes ses enfants. Elle nous laisse nous détruire, ou elle laisse couler le sang. La vie est un combat, et tu es pas sûr de te relever. Quand tu vois que nos lois ne sont appliquées qu'à moitié. Maria nous a mis de côté, pourtant nous sommes ses enfants. Elle nous laisse nous détruire, ou elle laisse couler le sang. La vie est un combat, et tu es pas sûr de te relever. Quand tu vois que nos lois ne sont appliquées qu'à moitié.